Bonjour tout le monde. La leçon d'aujourd'hui, c'est l'alimentation. Alors, chers élèves, pourquoi nous devons manger? Et quels sont les aliments que nous devons consommer? On mange pour satisfaire nos besoins en glucides, en lipides, en vitamines et pour être en bonne santé. Passons aux questions. Et numéro 1. Regardez bien les images. Quelles sont les origines des aliments? Alors, comme vous voyez, il y a des aliments d'origine végétale comme le pain, l'huile d'olive et des aliments d'origine animale comme les œufs et la viande. Maintenant, on va découvrir les constituants d'un repas équilibré. Alors, pour être en bonne santé, on doit consommer des aliments qui contiennent des glucides comme les produits laitiers, le sucre, le pain, le miel, les fruits, les légumes. Ainsi qu'on doit manger des aliments qui contiennent des lipides qui sont connus par des graisses comme le beurre, l'huile d'olive, le fromage, etc. Ces aliments nous donnent l'énergie. La page suivante, comme vous voyez, ce sont des aliments déconseillés pour notre santé. Alors, ces aliments sont dangereux pour notre santé car ils contiennent beaucoup de sucre, beaucoup de lipides et des additifs alimentaires. Pour conclure, on va lire le résumé. Les aliments sont différents selon leur origine. Aliments d'origine végétale et d'autres d'origine animale. Pour conserver une bonne santé, je dois prendre un repas équilibré. Je dois éviter de manger trop de glucides, de lipides et des aliments conservés contenant des additifs car ils sont mauvais pour notre santé.